Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réflexion. Réflexion, c'est une tranche de contact pro-live que nous avions lancé cette année 2024. Aujourd'hui, nous sommes le 22 janvier, c'est un lundi, où nous allons attaquer encore la semaine avec beaucoup plus de vigueur. Donc, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, je vais vous rappeler que je m'appelle Germain Kaindo. Nous émettons à partir de Johannesburg, nous faisons des émissions réflexions sur la marche de la République démocratique du Congo. En tout cas, pour ceux qui sont, pour vous tous qui sont déjà abonnés, je vous salue encore, je vous ai déjà souhaité une bonne année. Donc ça c'est la, je crois, le deuxième ou troisième émission pour cette année que nous avions commencé, où nous allons parler de la République démocratique du Congo, analysant aussi comment est-ce que la marche de notre pays. Nous apportons ici nos réflexions. Nous vous demandons donc, si vous êtes abonné, de partager nos émissions. Si vous ne l'êtes pas encore, veuillez en tout cas vous abonner, parce que nous avons besoin, si bien sûr vous allez aimer ce que nous allons vous raconter aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vous racontons quoi? Aujourd'hui, nous parlons de quoi? Le 20, donc il y a deux jours, le président de la République a été investi comme président. Il s'est succédé à lui-même, quoi. Félix Tshisekedi a pris le rein de la direction encore de notre pays. Aujourd'hui, nous allons faire un retour un peu sur le discours du président de la République, parce que, comme nous vous avions dit précédemment, que nous attendions justement ces discours-là. Nous attendions à ce que le président puisse nous définir où est-ce qu'effectivement il va amener le pays. Et donc, notre réflexion va porter sur ces discours-là. Nous n'allons pas analyser mot par mot, mais nous allons essayer un peu d'orienter aujourd'hui aussi. Nous autres, nous allons essayer de nous orienter sur ce qu'a dit le président de la République. Bien sûr que le président de la République n'a fait qu'énumérer les grandes lignes. Ça, il faudrait vraiment faire donc très attention. Parce que beaucoup de gens pensent que le président de la République devrait tout dire. À nous les analystes, à nous les Congolais, d'avoir une idée sur ce que, par où le président va amener notre pays. Et donc, le président de la République a parlé pendant à peu près 28 minutes. Et pendant ces 28 minutes, il a brossé un peu, en général, la vision ou bien ce qu'il penserait de la République démocratique à la fin de son mandat en 2028. Son deuxième mandat, bien sûr. Il nous a brossé les grandes lignes. Beaucoup de gens sont en train de tomber dans cette erreur-là en voulant justement y entrer là-dedans. C'est pour cela que nous vous avions dit ici que, à partir de ce discours ici, nous allons marcher ensemble avec le président de la République, que nous le voulions ou pas. Félix Tshisekedi reste le président de la République. Et nous allons, aujourd'hui encore, à part ce discours-là, nous allons nous atteler encore une fois de plus, si le temps nous le donne, à nous faire un tout petit peu le discours, une image de ce que se fait le président de la République comparativement avec son discours. La présidence de la République représente quoi dans la réalisation, dans le marche de la République démocratique du Congo? Alors, comme toujours, dans Contact Pro Live, nous ne vous laissons pas noir dans ce que vous sur l'actualité. Aujourd'hui, donc, comme je vous avais dit, c'est un lundi, donc c'est un début de semaine. Nous allons vous donner les grands titres des journaux qui paraissent sur Internet. Hein. Les grands journaux, il y a Election.net, Actualité.cd, il y a aussi Zoom Echo, il y a Opinion.net, tous ces. Nous avions sélectionné 5 journaux que nous analysons. Nous vous donnons les grands titres et nous pensons que ce sont ces 5 journaux-là qui nous représentent, et plus Okapi, hein, Okapi. D'autres points nets. Ça, ce sont les grands titres que nous vous demandons peut-être d'aller lire si vous voulez vous informer. Et puis nous y revenons tout de suite après pour développer notre sujet. Donc, les discours du président de la République et l'image d'un président que le président nous a donné
à la fin de 2 ans, lorsqu'il a lisé son discours. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Okatanga, Jacques Kiaboula sauve sa peau aux législatives provinciales. Et puis RDC législative provinciale, voici les élus du Nord Kivu. Et législative toujours provinciale, aucun ancien journaliste élu à Kinshasa. On va sur actualité.cd. Walid Regragui, on savait que le RDC allait être plus difficile à manœuvrer. Elle était revengarde et très déterminée. Il faut leur dire bravo. Lettre aux évêques catholiques, prêtres accusent la Senko de prêter les béquilles à l'opposition. Élection en RDC, l'exigence du seuil de la recevabilité a montré ses limites en termes de retombées positives, note Denis Kadima. On va sur Congo profond. Quand 2023, la RDC pioche un nul précieux face au Maroc. Repenser la décentralisation en RDC pour prévenir la balkanisation. Renaissance pour, par l'éducation et la culture, retracer le chemin du renouveau congolais. 7 sur 7. Maroc, des statistiques équilibrées entre les deux nations en phase finale de la CAN. Et puis, quand toujours, si on laisse la RDC en confiance, elle peut être dangereuse. Ça, c'est les sélectionneurs marocains qui parlent. Et puis, RDC Maroc, c'est une belle opportunité de montrer notre football de demain. Ça, c'est Sébastien Desartes qui parle. On termine par Radio Okapi. Boutembo, la population sensibilisée à la gestion des rumeurs et des conflits post-électoraux. Syndicat de la SCTP attend du président de Tshisekedi des moyens pour rendre viables et compétitives leurs entreprises. Ituri, pour terminer, plus de 1000 enfants utilisés dans l'exploitation minière et la prostitution à Djougou. Ça, c'est le service genre et enfants qui parlent. Merci, on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, donc l'actualité est prédominée par la publication aussi des candidats, des députés provinciaux. Donc, il y a eu encore là-bas des pleurs et des grincements dedans. Nous avions remarqué que beaucoup de gens sont en train de réclamer. Et Kadima a essayé un peu de clarifier sur les seuils et toutes ces histoires-là. Donc, beaucoup de candidats se sont lancés dans les campagnes électorales sans plutôt savoir exactement comment s'y prendre. Ça, c'est mon point de vue parce que il y a maintenant trop de pleurs. Beaucoup de gens condamnent Kadima. Parfois, ils n'ont pas compris exactement ce qui se passait dans ces élections. Alors, Bandeko, vous allez vraiment m'excuser qu'à un certain moment, Tunasema Kanamswahili a pas, nous parlons en anglais, nous parlons parfois en lingala, parce qu'il y a des mots où, lorsque nous sentons la force de mots et que ça vient dans une de nos langues, permettez à ce que nous puissions relâcher ces langues-là dans nos langues, dans ces paroles-là dans nos langues nationales, quoi. Lingala, français et puis swahili, un peu de Kikongo, parce que les Kikongo aussi, j'en parle. Chiluba, j'entends, mais la langue est trop lourde pour que je parle Chiluba. Ok. Donc, nous parlions de ces discours. Nous allons commencer par le discours lui-même. Moi, je pense que le président, comme je vous ai dit dans l'introduction, le président de la République a brossé carrément, il a fait un sommaire de ce qui sera. Donc, il a parlé de l'économie, il a parlé de l'emploi des jeunes, il a parlé de l'enseignement, il a parlé de la sécurité, il a parlé de finances, il a parlé... Bon, moi je pense que les grandes lignes, il les a touchées pratiquement. Il a touché toutes les grandes lignes en disant, voici ce qu'il est... Moi, c'est le grand problème, lorsque nous parlons de l'économie, lorsqu'il parlait par exemple que non...
l'économie, l'emploi et tout ça. Ça, c'est ce que le président a dit. Et je ne veux pas aller vraiment dans la profondeur. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on parle de l'emploi, c'est-à-dire qu'on peut mesurer l'emploi. Quand on dit que baisser le prix des dollars, c'est-à-dire que nous avons les points d'ancrage que nous allons maîtriser. Nous savons où nous allons prendre pour... Bon, ça ne pouvait pas être dit dans le discours, c'est comme ça que je suis en train de dire. Ça ne pouvait pas être dit dans le discours. Donc, le président de la République a dit que l'emploi sera là, il va s'occuper de l'emploi des jeunes, tout ça. L'accès aux finances des jeunes, tout ça. Il a parlé... Et puis, il y a une chose que nous pouvons remarquer, mes chers amis. C'est que le Congolais s'est habitué à des discours. Nous savons bien faire les discours. Et il faut aussi vous souvenir que c'est que maintenant, comme je vous avais dit, ce discours ici devrait être différent. Et je crois que vous l'avez remarqué, il a été différent pratiquement des discours de campagne. Où on s'attaquait aux candidats, où on s'attaquait aux choses, on voulait arracher cette mandature-là. Maintenant que nous avons la mandature, je ne veux pas encore entrer de fond dans tout ce que le président a dit. Je suis en train aussi de vous faire le sommaire de ce qui fera nos émissions, parce que c'est cette discours historique que le président de la République... où nous allons toujours y revenir en disant, le président a parlé des problèmes économiques. Quels sont ces problèmes économiques? Le président a parlé des problèmes sécuritaires. Quels sont ces problèmes sécuritaires dont nous rencontrons, qui sont là sur place? Le président a parlé du problème d'emploi. Quels sont les problèmes d'emploi que nous avons aujourd'hui? Et c'est là que nous sommes en train de dire. Vous voyez là où je dis. Je ne suis pas en train ici d'aller déjà en besogne, c'est-à-dire critiquer le président de la République. Il n'a pas dit ceci, il devrait dire ceci, il n'a pas dit ceci, il devrait ceci. Non, nous avions écouté ce que le président a dit. Le travail qui reste, c'est ce que nous allons voir. Comment est-ce qu'il va commencer à poser les premiers pas? Et ça, c'est comme je dis, vous aviez lu peut-être le sommaire d'un livre. Et nous, nous nous sommes dit, nous allons marcher ensemble avec le président de la République pour voir exactement ce qu'il a dit et comment est-ce qu'il se prend pour résoudre, par exemple, les problèmes économiques. Nous allons marcher avec lui pour se dire qu'est-ce qu'il fait. Et c'est dès lors que nous allons commencer à sortir nos cartouches en disant, voici ce qui devrait se faire comparativement aux problèmes que nous rencontrons sur terrain. Comparativement à là où nous sommes, qu'est-ce qui se passe exactement? Où est le réel problème du Congolais? Exemple par exemple aujourd'hui. Vous voyez comment est-ce que nous avons des problèmes qui surviennent avec des catastrophes naturelles. Le côté ouest de la ville de Kinshasa est submergé, donc les cités du fleuve, tout ça. Ça, ce sont des catastrophes naturelles qui arrivent, qu'on ne peut pas prévoir. Ça, on ne peut pas discuter, on ne peut pas disculper quelqu'un sur ça. Mais nous allons disculper quelqu'un sur ça s'il n'a pas parlé de ça, il n'a pas parlé des problèmes environnementaux. Et comment, quelles sont les prévisions qui sont mises en place pour... C'est maintenant là que je me dis... Il pourrait parler de que nous allons examiner le problème d'environnement, de l'environnement, comment est-ce que nous allons gérer nos forêts et tout ça. Mais maintenant, lorsqu'il va arriver à ce que maintenant il prend le programme, il y aura maintenant des programmes dans l'économie. Et ce programme-là, c'est ce que nous appelons maintenant le programme du gouvernement, de la gestion du pays. Et le programme du gouvernement tiendra aussi compte de ce que le président a dit dans son discours d'investiture pour que à la fin des comptes, il puisse être redevable à ce qu'il a dit. Et c'est pour vous dire que le gouvernement qui sera mis en place, c'est un gouvernement qui sera en connivence justement avec le président de la République.
Selon notre constitution, le gouvernement qui sera mis en place viendra avec un programme. Et ce programme-là, ils vont en discuter avec le président de la République. Ici, nous avons déjà un côté où le président a parlé. Il nous reste quoi encore? Il nous reste le gouvernement qui sera mis en place. Et ce gouvernement-là qui devra venir au Parlement parler de son premier programme. Et ce programme-là devra être discuté avec celui du président de la République pour que nous ne puissions pas avoir, nous ne puissions pas aller en contradiction avec notre constitution. Que dit notre constitution? La constitution nous dit que le président de la République est le garant de la nation, c'est lui qui veille au bon fonctionnement des institutions. Mais celui qui gère la République du jour au jour, c'est le premier ministre, parce que c'est lui le chef du gouvernement. Vous voyez la chose que je vais vous amener? Donc, le chef du gouvernement, donc le premier ministre, ce n'est pas un caporal du président de la République. Et là, j'entre dans le deuxième parti, de là où je disais, comparativement au discours du président de la République, il y a eu, moi, je pense, beaucoup trop de prétentions. Il s'est accaparé de tous les pouvoirs. Pourquoi je dis ça? Écoutez ce que le président a dit. Je vous ai entendu. Je vous ai compris. Ça, c'est comme si c'est à lui que repose tout l'avenir de la République démocratique du Congo. Malgré que c'est lui le président de la République, mais ce n'est pas lui. Ezaïe Moutouté à Kosala Makambounyoso. Lorsque le président de la République dit que non, les choses ne devront plus se faire comme avant, je crois, et moi je le prends du bon côté, qui va aussi se remettre à sa place en laissant le premier ministre travailler. Aujourd'hui, nous pouvons dire, nous pouvons citer Sama Lukonde comme un caporal, un premier ministre, qui on ne sait pas exactement ce qu'il faisait parce que c'est le président de la République à qui tout a été. On criait au président de la République. C'est le président de la République qui devrait faire ceci. C'est le président de la République qui devrait intervenir ceci. C'est le président de la République qui préside les conseils des ministres. En fait, le président de la République, on avait comme l'impression qu'il gérait le pays. Vous comprenez? Je crois que le président de la République, selon notre constitution, après qu'il nous ait adressé à son investiture, le premier ministre est aussi devrait venir avec un gouvernement et ce gouvernement qui servira à l'exécution du plan de la gérance du pays dans les 5 ans qui vont venir. Voilà un peu là où, quand moi je vous parle, je vous dis, le président de la République s'est donné tous les pouvoirs. En l'entendre parler, le président de la République n'a pas été humble. C'est comme si tous les problèmes sont sur sa tête. Et ça, moi, je pense déjà que dès le départ, en allant dans les 5 ans qui vont venir, avec cette appréhension où le président de la République est le chef de tout, il doit tout regarder, il doit tout faire, il doit être regardant de tout ce qu'il se fait et décider. Tout ce qui doit se faire, c'est son programme. Donc, le premier ministre deviendra un accompagnateur. Selon ce que moi, la perception que j'ai eue lorsque Félix Tshisekedi faisait son discours d'investiture. C'est ça l'homme. Quand je regarde l'homme, parce que ça aussi, ça compte. Et là, on appelle Kontaka, Mutuangwazo Lobanini. Mutuangwazo Lobango na ndenge nini. Mutuangwo na eskazali azana makoki ya oyo azako loba. Est-ce qu'il donne encore une place privilégiée au premier ministre en disant que si quelque chose ne se passe pas, c'est-à-dire que nous allons partager le bilan ou bien chacun doit faire son travail. Alors ici, je crois que le président de la République s'est octroyé tout le travail en se disant: je vous ai entendu, je vous ai écouté, j'ai compris ce que vous aviez dit. Vous aviez vu qu'il a eu beaucoup de je. Et l'impression que moi j'ai trouvé que le président de la République s'est accaparé de tous les pouvoirs déjà, de façon que même s'il y a un premier ministre, il ne pourra pas y avoir de contradictions. Nous allons aller accompagner justement ce président de la République.
ce qu'il a dit et dans la posture où il disait ce qu'il disait là. C'est ça que moi, comme j'ai eu comme impression. Mais, écoutez, notre constitution veut à ce que le constituant avait voulu à ce que la gestion du pays soit dans la main du premier ministre et qui ait de pouvoir à donner au premier ministre. La gestion de la République de tous les jours devrait être dans la main du premier ministre. Donc, et moi, j'ai eu comme l'impression que le président de la République va nommer encore aussi un premier ministre. Et la nomination du premier ministre, ce n'est pas à ce que le pouvoir soit entre les mains du président. Non, le constituant a voulu à ce que ce premier ministre-là vienne de la majorité au Parlement. Or, nous savons bien que le président de la République, selon les règles, selon les constituants, si le président de la République est élu à la majorité suprême, comme il l'a eu avec 73%, c'est-à-dire qu'au Parlement, il y aura effectivement beaucoup de gens de son obédience qui seront dans la majorité que le peuple aurait élu. Et donc, naturellement, le président aura une confortable majorité. Mais nonobstant à ça, même si vous avez une confortable majorité et que vous êtes capable de vous choisir un premier ministre au sein de cette majorité au Parlement, ce n'est pas le programme là que vous aviez dit qui sera exécuté. Il faudrait qu'il y ait un premier ministre qui viendra aussi avec, parce que ce sont des courants politiques. Si ça sera comme ça, à ce moment-là, nous pouvons donner crédit à ce que le président va dire, que le premier ministre qui sera nommé, qui viendra de la majorité parlementaire, sera effectivement de son obédience et qu'il exécutera ce que le président est en train de faire. C'est dès lors que nous revenons dans ce que nous disions ici, que non, bon, il y avait, dans son mandature passée, il y avait certains couacs où il n'avait pas une majorité confortable, c'est-à-dire qu'il devrait faire avec une opposition et tout ça. Mais attention, nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie. Et la démocratie veut à ce que l'opposition soit là. Nous ne pouvons pas avoir un parlement pratiquement monocolore. Nous ne pouvons pas avoir un parlement monocolore, ça ne sera pas possible. Et puis ça donnera quelle impression? C'est-à-dire que nous irons pratiquement dans la dictature. Parce qu'en principe, ce n'est pas un parti politique qui a gagné, ce n'est pas l'UDPS qui a gagné. Et vous allez voir, c'est comme ça que lui-même a dit que non, lorsqu'il y aura, on va faire les consultations pour dégager la majorité, j'espère qu'il y a eu beaucoup de partis politiques qui ont gagné, mais qui vont maintenant se définir dès le premier. C'est ici encore où je suis en train d'attirer l'attention à ce que la constitution soit appliquée, même si nous savons que notre constitution ici a de quoi que là-dessus. Moi, je pense que respectons quand même le texte. Et ici, je pense à ces juristes qui nous ont vraiment mis dans la patte dans la mandature passée. Lorsque les députés vont venir au Parlement, ils doivent se définir et se signer et se situer dans quel camp ils sont. Pourquoi ne pas faire les choses à la normale? Si vous êtes pour le président, vous dites que non, moi je suis de la majorité. Et c'est parmi cette majorité-là qu'il y aura un premier ministre. Donc, vous allez remarquer que nous sommes encore... Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge, c'est-à-dire que nous devons appliquer les lois démocratiques, s'il vous plaît. Et ces lois démocratiques-là veulent à ce que nous devons avoir une certaine opposition. Donc, le ministre, le gouvernement qui va venir, le gouvernement qui viendra, devra aussi aménager leur programme. Et c'est avec ce programme-là, en consultation maintenant, ce que dit la Constitution, en consultation avec
le président de la République. Et d'ailleurs, dans beaucoup de ministères, il y a beaucoup de choses que le premier ministre et le président devront faire ensemble. Ils doivent se consulter. Il y a des domaines de consultation, surtout dans les programmes de l'exécution, parce que c'est le premier ministre qui est en charge et qui répondra devant le Parlement. C'est le premier ministre qui répondra devant le Parlement. Donc, il est impérativement, absolument, important à ce que le président aussi puisse laisser, dans son discours, qu'il pourrait laisser une place à ce que voici les responsabilités du premier ministre. Et c'est par là maintenant que je vais vous dire un exemple. Je crois que vous qui êtes sur les réseaux, vous aviez suivi une petite intervention, Mata Tamponio, avec un de nos collègues qui lui posait la question. Et si on vous proposait premier ministre, Matata a dit, c'est comme si vous amenez Messi dans une équipe de l'Union Sacrée. Et par là, j'ouvre une parenthèse en félicitant nos Léopards, parce que nos Léopards ont fait un bon travail, en tout cas là où ils sont en Côte d'Ivoire. En tout cas, merci beaucoup de nous faire régaler encore pour nous redonner l'espoir que non, les Léopards sont toujours des Léopards et nous souhaiter de bonnes chances au match qui nous reste avec la Tanzanie. Voilà. Et donc, Matata a dit, c'est comme si vous amenez Messi à jouer dans Maniema Union. Donc, c'est-à-dire que Matata considère que non, la majorité qui est là, qui sera au Parlement, avoir la carrière, avoir ce qui va se passer, nous attendons à une certaine, pas vraiment une équipe qui sera forte, disons. Avoir les hommes qui sont passés là-bas, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de bons, mais la carrière déjà, c'est comme si tout le monde va crier là-bas béton, 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 fachi, béton, fachi, béton, et ils vont oublier qu'ils ont le devoir de faire leur travail. C'est comme ça que j'ai compris ce que Matata a dit, que nous ne pouvons pas attendre des gens à qui on ne donne pas on ne valorise pas. Le gouvernement devait avoir une certaine responsabilité dans la gestion du pays. Et dire la responsabilité dans la gestion du pays, vous ne pouvez pas être là à toujours aller vous recourir, à recourir à quelqu'un. Vous avez un pays à gérer. Ce n'est pas le président de la République qui gère le pays. Mes chers amis, moi je crois que c'est par là où moi je pensais que je voudrais introduire cette émission ici d'aujourd'hui, car cette émission ça sert à une introduction de cheminement, comment est-ce que nous allons cheminer avec M. Félix Tshisekedi au courant de son mandat, de son second mandat. Donc son discours a été pratiquement un sommaire de ce qu'il a fait. Nous ne voulons pas y aller là-dedans. Je vous ai cité qu'il a parlé de l'économie, il a parlé de la sécurité. Mais maintenant, la question que nous allons commencer à poser maintenant, avant de terminer, c'est que comment il va le faire? Comment il va relever l'économie? Comment il va rétablir la sécurité sur toute l'étendue du territoire? Comment il va le faire? C'est maintenant, avec le programme du gouvernement, nous sommes en train d'observer comment il va le faire et où est-ce qu'il va tirer le moyen de sa politique. Il a parlé de l'économie, il a parlé même de production de nos matières premières. Il a beaucoup brossé beaucoup de choses. Mais c'est la façon maintenant sur terrain qu'on va commencer à se dire, le président maintenant, avec son programme du gouvernement, que le gouvernement va présenter au Parlement, et c'est par là que le gouvernement va dire, voici comment nous allons nous y prendre, par exemple, sur le problème sécuritaire. Voici ce que nous allons nous prendre, comment est-ce que nous allons faire pour la transformation de nos minéraux ici sur place. Comment est-ce que nous allons nous y prendre? Voilà un peu comment est-ce que nous allons évoluer. Donc, encore une fois, avant de terminer, je vous demande, vous qui n'êtes pas encore abonné, si vous me suivez jusqu'à présent, abonnez-vous, parce qu'il y a du bon qui arrive dans les jours à venir. Je vous rappelle que Réflexion, c'est 2 fois ou 3 fois par semaine, et puis nous avons Contact Pro Live Réaction, ça c'est sur les actualités, nous donnons nos points de vue sur un sujet d'actualité qui prédomine la semaine, ou bien qui,
qui a tendance à perdurer dans la semaine. Et puis, nous avons les émissions aussi sur live que nous allons reprendre bientôt. Vous allez m'excuser parce que la technique n'est pas encore à point. Et donc, nous allons reprendre chaque samedi à partir de 15h où nous faisons des émissions live qui durent parfois 2h et que nous analysons les émissions que nous avons faites au courant de la semaine et nous vous donnez beaucoup plus d'informations sur ça. Donc, merci beaucoup. On se revoit donc prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien et bon début de la semaine. Au revoir.